Alors généralement, les histoires qu'on raconte, c'est des histoires très très tristes. Mais elles donnent envie de bouger et de s'amuser. Donc il faut surtout continuer. Ben non, faut surtout rien changer. On va vous raconter l'histoire de quelqu'un qui est parti au café le soir et qui n'a pas trouvé la porte pour rentrer chez lui. Il a essayé toutes les portes, mais on ne l'a pas laissé entrer. Ça s'appelle la porte en arrière. Mon vieux père, un soir, quand j'arrivais à essayer de changer mon idée, je l'ai pas écouté, moi j'avais trop la tête dure. Un jour à venir, mon gars, ça va te tuer. On va passer par la porte en arrière. Thank you.
Merci. On fait une petite pause, on retrouve dans une demi-heure.